Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plaspay, on est parti pour Star Fox Adventures, la continuité du Let's Play. Je crois que nous sommes à la partie 8, s'il me semble. Et nous sommes rendus à 88%. Je pense que cette partie, ça va être la dernière partie. Nous sommes rendus à 11h04 de jeu. Toujours autant d'heures de jeu, hein. Magnifique. Et une partie qui va durer 1h30, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire déjà la dernière fois? Je ne sais plus. Parce que ça fait une semaine que j'ai pas repris, là. Ah, la cité fortifiée. Ah oui, c'est vrai, faut revenir à la cité fortifiée. Voir le papa de Tricky. J'allais encore dire Sleepy, c'est incroyable. Et pour trouver le dernier Krazoa. Voilà. Pour pouvoir rétablir la Terre. La magnifique planète Dinosaur Planet. Et après, on va en découdre contre le général Skells. Donc alors, rocher du dragon, cité fortifiée, oui c'est celui-là. Dépêche-toi Fox, il doit y avoir un autre sanctuaire Krazoa de caché dans la cité fortifiée. Une fois que tu auras atterri, va vite voir le roi Earthwalker. Il devrait pouvoir te dire par où commencer tes recherches. Terminé. Peppy out. Voilà, cet anneau d'or, c'est pas beaucoup, ça peut aller. C'est tranquillou. Donc voilà, nous allons retourner dans le temple Jurassic Park. Je sais pas, je l'ai appelé comme ça. La partie 6, je crois que c'était la partie 6, oui. On avait combattu fièrement contre un T-Rex. Mais surtout grâce au bâton magique complètement cheaté. Quand on appuie sur le bouton R. Bien sûr, bouclier! Mais qu'est-ce qui se passe là? Je me fais toucher partout. Je comprends plus rien à ma vie. Ça, c'est une nouvelle expression. Attention! Ah, et aussi, bon. Je vais un peu spoiler pour les. En tout cas, pour. Peut-être un vidéo test que je ferai. Même sûrement, je ferai un vidéo test sur. Far Cry 4. Je me suis complètement viandé. C'est magnifique! Vous aurez le droit à un premier fail. Je ne sais pas quel anneau j'ai loupé. Mais c'est pas grave. On recommence. On commence très bien. Hein. J'avais cru que j'allais jouer super bien pendant très longtemps et finalement je fail. Fallait bien un petit fail, hein, quelque part. Donc voilà, on continue. Donc oui, je me suis coupé. Je ferai peut-être un vidéo test sur Far Cry 4. Parce que j'en avais fait un sur Far Cry 3. J'en ferai également un sur Far Cry 2 qui est très moyen. Mais c'est surtout parce que, de base, Far Cry 4, je peux pas le faire tourner. Mais bon, je me suis acheté une nouvelle carte graphique. Donc ça va être cool. Voilà. Donc voilà, sur PC, je pense que je ferai un peu plus de jeux sur PC. Un peu plus, hein. Bon, il y aura toujours autant de jeux sur GameCube, bien sûr. Ma console préférée, quand même. Ma plateforme préférée. Voilà, c'est juste pour vous dire que, nouvelle carte graphique, donc, je pourrai faire tourner... Bah, tous les jeux actuels. Bon, peut-être pas ceux qui dateront déjà. Peut-être pas ceux qui sortiront en 2016. Hein. C'est déjà ça quand même. Et donc voilà, bah. Aussi, je sais plus si je vous en ai parlé, mais je vous ai dit que je ferai des vidéos aussi de Trackmania, je crois. Trackmania United Forever, là. Sur PC, eh bien, j'attendrai, je le ferai sur ma nouvelle carte graphique, tout simplement. Et ça sera la classe, ça sera en 1080p, ça sera magnifique. Enfin, même si je peux le faire aussi en 1080p avec ma carte graphique actuelle. Mais bon, c'est pas grave. Il est très facile à faire tourner Trackmania, de toute façon. Même il est vraiment pas gourmand quoi. Fox, on behalf of Dinosaur Planet, I thank you for returning the spellstones to their rightful place. For what good it did?
If you didn't notice, you're still stuck up here in this floating rock. By removing the spell stones, Scales caused our planet to tear apart. Returning the stones has stopped the flow of magic energy. But only by the power of the Krazoa spirits will the floating lands return. Seems like we both have our reasons for finding the last of the spirits. The Queen said I could find one here in the city. So where is it? The spirit will be revealed once both the Sun and Moon stones are returned to the temple. Wally-wally. Donc voilà, il nous a ouvert des passages, mais je ne sais pas où c'était exactement. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'esprit sera révélé une fois que les pierres lunaires et solaires seront ramenées au temple. Lunaire et solaire. Les pierres lunaires et solaires, donc faut recommencer, j'ai l'impression. Recommencer ce qu'on a fait l'autre fois. Que je suis pas sûr. Bon bah, Sleepy, à l'aide! Fox, tu as beaucoup à faire, tu dois ouvrir chaque temple, y entrer et prendre les pierres solaires et lunaires, pour ensuite te mettre à l'endroit où tu as mis les dents. Si tu as des difficultés, va parler au Hearthwalker. Ouais, mais ils vont dire bonjour, salut, ça va, comment ça s'est passé l'autre temple, c'est tout. Votre but semble plus près que vous ne le pensez, mais la réponse n'est pas toujours aussi simple. Waouh. Ils ont toujours des dialogues très intéressants, hein, ces Hearthwalkers. Ça nous avait bien manqué. Ah bah voilà, c'est... On a déjà trouvé le nouveau truc. Ça, voyez-vous, je ne m'en souviens presque plus, hein. Les énigmes avec les cubes. Donc ça va pas être si facile que ça. Tout simplement. Je ne sais pas ce que j'ai fait. On va pousser ce cube-là, ici. La caméra est complètement fofolle. Et c'est faux, j'ai l'impression. Ça va être un premier fail. Bon, et si on pousse par là, ça fait quoi? Allez, on recommence tout, ça réinitialise tout. D'accord, que faut-il faire? Mais ça va être très difficile. Une énigme où je vais être paumé. Non, pas maintenant. Pas après toutes ces aventures. Bon alors, lui, de toute façon, on est obligé de le mettre ici. Lui, qu'est-ce que je peux faire de lui? De ce malheureux petit cube? Je ne sais pas. C'est pas pour rien que c'est la GameCube. Hein. Voilà, petite blague de merde. Il fallait bien une petite blague de merde. Alors là, je suis coincé. Parce que si je pousse par là, et qu'il se bloque ici, après je serai obligé de le pousser par là, et c'est de la merde. Voilà, c'est... en fait, je cherche pour le trouver ici. Mais... j'en sais rien du tout, en fait. Tel est le problème. En fait, lui, je sais pas, je suis un peu obligé de le mettre là, lui. Ah non, quoique. Quoique, je crois que je me suis encore viandé, on va recommencer. Parce que je réfléchis et... il y a eu une illumination. Et cette illumination... c'est ceci. Et merde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pousse ce cube là, je pousse celui-là, Attends, en plus c'est... imaginez si c'est une énigme super simple. On va être encore bloqué, c'est magnifique. Attendez, si je pousse lui là, ça me le met ici. Ça aide pas trop. C'est un peu de la merde, même. Bon, allez, laissons tomber, on recommence. C'est magnifique. C'est... deuxième fail. Ou troisième, attends. Bon, je sais plus. À force de parler, je sais même plus compter.
Donc ouais bah celui-là je ne sais pas du tout comment le mettre. Ça se trouve vous serez derrière vos écrans, vous serez en train de gueuler, mais c'est par là, c'est par la gauche, c'est par la droite. J'ai peur en plus que l'énigme soit simple en fait. Quand je la découvre après. Enfin, est-ce qu'on peut. Ah non, on peut que la pousser. Que le pousser. C'est un cul. Bon, on va recommencer. C'est... Parce que là, je crois que j'ai complètement fail. Et. Ah d'accord, lui il avait pas encore popé parce que j'étais ici. Bon. Bon, on met celui-là ici déjà, hein, c'est un peu obligé. Lui! Je suis un peu obligé de le pousser à quoi que. J'avais pas encore fait ça, de le pousser ici. Ah mais c'est ça! Mais quel skill, mais quelle compréhension dans le geste! C'est incroyable! Au bout de 5 minutes! Pas mal! Donc voilà, voilà où. Oui voilà, le Heartwalker, Tricky, est de retour. Bon sinon pour ce qui est du let's play de Rayman 1, je suis pas sûr de le faire. De continuer direct après Star Fox. Parce qu'il y a bien sûr la surprise de la surprise ultime sur le jeu de PS3 pas terrible. Voilà, une vidéo défi. Une espèce de let's play défi. En fait, faut faire quoi là? Faut tirer là-dessus. Waouh. Ça fait rien du tout. Donc je ne sais pas, faut pas monter. Ça doit être pour plus tard. Hein. Pour l'instant, j'ai déverrouillé un truc, mais je sais même pas, j'ai pas fait gaffe. Je vais te faire le contour. Non, ça sert un peu à rien. Ce qui me bluffe dans ce Star Fox quand même, soyons clairs, c'est l'herbe. C'est pas une simple texture floutée, non, c'est... Bah, c'est vraiment... je crois que c'est le même... La même technique qu'ils ont fait pour faire la fourrure de Fox. Voilà. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Franchement, même aujourd'hui, c'est toujours plaisant à regarder. Bon, on va monter, on va faire l'autre énigme. L'autre énigme époustouflante des cubes. Enfin, je crois que si c'est en parallèle, les deux, ça va être à peu près la même chose. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus les dinosaures. Oui, bah, si, il y a des dinosaures, il y a des Earthwalkers, je suis un peu con. Mais il n'y a plus bien sûr les raptors. Les méchants pas beaux. Donc voilà, maintenant on va faire les trucs lunaires. Les cubes lunaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà je suis au pif, on va faire des essais. Bah déjà lui je sais qu'il faut le pousser par là. Pour le pousser par là. Pour que lui il aille je sais pas où. Bon déjà on va pousser celui-là. On va pousser celui-là. Et on est paumé. Et voilà c'est encore un fait. Mais en fait, que faire? Il y a aussi ici... Bon, lui, déjà, on le pousse là. Ça, ça me semble... Pourtant, ça me semble être ça. Ouais, on pousse celui-là ici. On pousse celui-là ici.
On repousse celui-là là-bas. Il bloque ici. Ah ça, il était plus simple. Bon. Encore une fois, ce ne sont pas les énigmes de Twilight Princess. Hein. Purée, Twilight Princess, le donjon là de glace à moitié, c'est ça en gros. Hein. Quand on est chez le Yeti, c'est ignoble. Il y a une énigme genre comme ça aussi. Sauf que c'est vraiment mes prises de tête, mais de A à Z. Enfin, faut être Einstein pour comprendre. Oh purée. C'est peut-être parce que j'étais con avant. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait cette énigme. Ça se trouve, maintenant, je la ferai aussi simplement que là. Maintenant, je me rappelle, c'était vraiment ignoble. Ah, il y a un mur invisible qui m'empêche de me suicider. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le pouvoir sismique ultime? Non, c'est même pas ça. Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Ok, je m'en souviens plus du tout. C'est un truc de fou. Ok, ok. Là, c'était vraiment par chance. Hein. Je voulais voir ce que c'était. C'était vraiment de la chance. On aurait pu être bloqué très longtemps. Hein. Si j'étais pas aussi curieux. J'avais pas utilisé mes jumelles. Surtout que je les utilise jamais habituellement. Donc voilà. Bon, essayons de pas nous faire planter. Ok. C'était magnifique, magnifique crevasse, hein, petite plateforme qui tombe. Ça fait toujours plaisir. Ah, en fait, il tombe au bout d'un moment. Ok, j'avais même pas vu ça. Faut attendre que les portes. Ah, c'est pas mal comme petite rue. Bon, la dernière porte, elle met 3 plombes. Hein. Voilà, petite épreuve sympatoche. Sans être difficile comme d'habitude. C'est pas non plus. Bah, Star Fox n'est pas non plus un jeu difficile. Il y a peut-être quelquefois des passages bien hard, mais. Enfin, bien hard, comme l'épreuve de la peur. Ok, là je suis complètement paumé. C'est un espèce de labyrinthe, je crois. Là, je me suis enfin détaché de là. Et je me suis encore paumé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je fais n'importe quoi. C'est le labyrinthe invisible. C'est le labyrinthe des fous. Et je me suis viandé. Ok, et le labyrinthe, il continue là. Ah non, c'est bon. Donc faut recommencer. En faisant gaffe à notre mana, comme d'habitude. Donc je sais qu'il faut passer par là. Voilà, si. Tout est question de mémorisation, bien sûr. Je suis un joueur très patient et qui mémorise très bien. Vous allez le voir direct. Faut passer par où déjà? Bon, c'est surtout que là je vais au pif. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau le pif quand même. Le pifomètre. Ouais d'accord, je suis full vie donc ça sert à rien. Ah purée, j'ai oublié d'assigner la commande Gatling. C'est pas possible. Ça c'est une grave erreur. Ah, surtout qu'en plus il y a trop fort, en plus il y a une épreuve là-dessus, là, sur la Gatling. Ah, c'est. Non mais c'est incroyable. Purée. Super mal visé. Surtout qu'on a fait quand même le donjon d'avant, là, le cratère je sais pas quoi. Là. Le donjon explosé. Purée. Gatling explosion. Ok, ok, c'est pas possible. Oui. Moi j'attends patiemment. Ça c'est vraiment un classique quand même, hein, la roue qui tourne de plus en plus vite, l'épreuve qui devient un peu plus complexe. C'est vraiment un classique ça de viser comme ça. Ah, je sais pas si je m'explique bien, mais c'est un classique. Ce genre d'épreuve c'est un classique dans les jeux vidéo. C'est une victoire du renard, aussi futé soit-il.
il réussira toujours à triompher. C'est futé que le corbeau et le renard, que le renard le roman. Bien sûr, c'est Fox. C'est renard, quoi. Donc maintenant, il ne reste plus que l'autre épreuve que nous avons déjà terminée au début. Enfin, on a déjà un peu commencé. On a déjà fait les épreuves GameCube, là. Ils aiment bien les cubes, hein, quand même, parce qu'il y a aussi des cubes dans Twilight Princess. Et c'est un jeu de GameCube également. Je sais pas. Ils aiment bien les caisses, les cubes. C'est un hommage à la console, je sais pas. Voilà. On sprint. Et la prochaine épreuve qui est ici. Un peu plus rougeâtre. Je dis ça parce que j'ai plus trop grand chose à dire. On pourrait, man, j'essaierai peut-être de continuer le let's play quand même, hein. Parce que j'essaierai de le faire après ce let's play Star Fox. Mais comment dire, je suis pas trop motivé, pourtant c'est un jeu exceptionnel, mais extrêmement hard à commenter en même temps, quoi. Faut avoir une skill de gros ou faux, et skill de gros ou faux, et en commentant en même temps, voilà, c'est moyen des fois. Encore un jeu de réflexion, un jeu d'énigmes comme celui-là, ça va, mais un jeu de plateforme extrêmement hard, voilà. Des fois, c'est un peu complexe. Purée. Même si pourtant je me débrouille plutôt bien quand même aux jeux de plateforme. C'est plutôt au jeu de... Frimi. Je vais arrêter de m'attaquer là, ces andouilles. Bah, Gatling Glacial, prenez ça. Putain, mais lui... Lui c'est Zeus. Ouais, c'est bon. Ah ok, j'ai compris l'énigme, il faut... rentrer tous les cubes en voyant à chaque fois... le symbole qui y figure. Voilà, le soleil. Avec Tricky qui sent les mouches. Je sais pas ce qu'il fait. Il renifle les mouches qui lui passent au-dessus. Je peux pas encore le pousser. Remarquez la magnifique animation. Allez, d'accord. Ok, faut le faire de l'autre côté. Hein, parce que le soleil, il est de l'autre côté. Bien sûr. Petit feuille. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, on pousse un peu. Ah, aussi, je sais pas, je vous ai pas dit, mais... je pense... Ou attends, je l'ai peut-être déjà dit, je sais même plus. Dans une précédente vidéo. Mais sinon, aussi, je pense que j'ai dit dans la précédente vidéo, là, de Star Fox. Je suis pas sûr. Mais que je ferai un vidéo test aussi sur Half-Life 1, Half-Life 2. Half-Life 1 également. Mais Half-Life 2, parce que je referai. Parce que c'était, bon, pas terrible. De base, de toute façon, la vidéo test n'était pas tip-top avec Fireflame. Surtout la qualité, hein, ça fait peur. Ça fait flipper. 144p. Dans toute sa splendeur. Ou 240, c'est pareil en fait. Donc là, je cherche, je suis paumé. Déjà j'ai la pierre lunaire. Magnifique pierre lunaire. Power Fox. On va être timé, je parie. Ils aiment bien mettre des timers avec des labyrinthes quand même. Encore, j'ai l'impression que ça va là, même si j'ai vu un mur invisible. Non, il y a des murs invisibles. Allez, ok, les interrupteurs permettent d'enlever les murs invisibles, hein. C'est parfaitement ça.
Encore un mur invisible. Bon, encore ça, ils nous mettent une minute. Niveau temps, on n'est jamais trop gêné de toute façon. Bon, heureusement que j'ai la Gatling glaciale pré-assignée. Assignée au bouton. Purée. Faut que je le fasse avec la Gatling Fire maintenant. Gatling Fire. Ah bon, je pense pas que ça va être difficile. Enfin, là, je fais les petits allers-retours. Oh non, il faut que ça soit tricky de jouer. Surtout qu'il met 3 plombes à faire son truc. C'est bon. Allez, on fait vite fait. On risque de se cramer, mais c'est pas grave. Même pas cramer, mais je suis tellement un big boss. Et voilà, ce fut une victoire. Bon, je vais ressortir. Et là, la porte, elle se ferme. Ça serait complètement con. Ça serait pour cela que je ferais un best-of de Star Fox. Juste pour cette petite vanne. Ah, c'est tellement beau! L'ouverture de ces portes, avec la musique si mystérieuse soit-elle. Ok, y a rien. Ah, y a que en haut, à droite et à gauche. Ok, pourquoi j'ai eu faux là? Ah, là aussi j'ai faux. Faut faire lui avant alors. Ça veut dire qu'avant j'avais énormément de chance. Parce que j'ai fait dans le bon ordre. Purée, ça va trop vite. Surtout que la Gatling, voilà, c'est pas terrible pour viser. Mais purée, c'est pas possible. Oh là, j'ai eu de la chance. C'était lui le bon en plus. Son concentration. Bah, faut tirer. Mais j'ai bien tiré là. Ah voilà, ce fut une victoire écrasante. Avec beaucoup de mal, bien sûr. Voilà, Fox clignote, mais c'est pas grave. Nous avons découvert plutôt la deuxième pierre mana. Pierre soleil de la mort qui tue tout. Parce que sinon, si c'était pierre mana, ce serait la musique épique. Ouais, j'avais dit que c'était la dernière fois dans la précédente vidéo. On va ressortir. Mais c'est très dur de ressortir d'un donjon, vous savez. Heureusement qu'il n'y a pas ça dans les Zelda. Vous imaginez, quand vous finissez un donjon, vous serez obligé de ressortir, de le refaire mais à l'envers. Ça serait top. Rallongement de la durée de vie. Gratuite. C'est parfait pour dire... plus de 70 heures de plaisir. Le nouveau Zelda qui va sortir sur Wii U. Ça va être ça en fait. Hein. On va devoir recommencer en marche arrière. Hein. On ne popera pas direct devant le donjon après avoir battu le boss, bien sûr. Alors, l'esprit serait... Ouais, bon, on s'en fout. Donc en fait, il faut poser ses pierres, mais je ne sais pas où. Parce qu'en bas j'avais déposé des dents. Qu'est-ce que je peux déposer? Où est-ce que je peux déposer mes petites pierres? Notre tribu pourra bientôt revenir à la cité. Non mais c'est tellement intéressant. Tellement intéressant que ça me donne envie de faire. Dans le cul! En gros c'est... l'affaire! Là où les murs s'effacent, le temps sera contre vous. T'es inutile! Fessé! La fessée de la Gatling! Comment on dit fessé en anglais? Ce serait énorme. Gatling fessé! Allez. On va descendre. Ah! C'est peut-être ici, hein? Ah, mais bien sûr, c'est ici! Fallait revenir là où on avait déposé les dents. Soleil. Bien sûr, il y a un thème épique. Fallait s'y en douter. Fallait s'y attendre.
Ah, je sais où c'est, ça. Enfin... Sleepy. Non, je rigole. Au bout d'un moment, Sleepy, il en aura tellement marre qu'il dira... Bon, écoute, Fox, c'est moi qui va terminer la mission. T'as eu ta paye ce mois-ci? Et ça me fait chier parce que... T'as ta paye alors que tu travailles à peine. Tu mets trop de temps à faire des décisions. Alors que t'es gagné 5000 euros, là, par mois, ça me déprime. Sachant que moi, je gagne 50. Parce que je fais pas grand-chose. Non, Fox, il est pas comme ça, bien sûr. Donc, on va monter. On monte tranquillement vers la dernière épreuve du Krasoa. Nous sommes déjà à 31 minutes, ce qui est incroyable. Franchement, mais voilà pourquoi je fais pas des vidéos de seulement 10 minutes à chaque partie. Je trouve ça con, quoi. J'avais commencé dans Sonic Adventure DX, mais après je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas continuer comme ça. Même si Sonic Adventure DX est très court, voilà. C'est pas possible. Ne serait-ce juste un jeu qui dure une heure. Voilà quoi, déjà 10 minutes de partie, non. Non, c'est bien, il est 1h30. Ok, on va monter tranquillement. Fox met beaucoup de temps à monter une échelle. C'est un peu ça le problème. Mais il a réussi avec aisance. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Là, je fonce. Je m'en fous des flammes. Parce que moi, je suis un fou. Et les flammes, elles sont toujours allumées. Voilà, jouer comme un PGM, voilà. C'était magnifique. Ne m'applaudissez pas, surtout. Il est où l'autre interrupteur? Ah, ça se trouve, c'est un truc avec la Gatling. Ah d'accord, oui, j'ai trouvé le truc. C'est ici. Il fallait le voir. Mais bien sûr, c'est parce que je suis trop fort. Ou alors parce que j'ai eu de la chance en regardant vers le haut. Purée, mais... Voilà. Je me disais, c'est quand qui s'éteint. D'accord, là, ça a toujours pas... Ah, il est déjà désactivé, le truc. Ça se désactive au bout de 2 secondes. Magnifique effet, hein, vous avez vu, quand même, de chaleur. Ah bon, ça se referme directement, quoi. Voilà, qu'est-ce que ça va être? Encore un niveau avec les flammes. Bon, ça peut aller, hein. Franchement, les flammes, ça fait presque rien dans ce jeu. Donc, en fait, on peut y aller à cœur joie. Et voilà, vous avez déjà l'indice de cette épreuve. Regardez ce qu'il y a autour. Tout ça va nous servir. Épreuve 5, l'épreuve de connaissance. Surtout l'épreuve de la mémoire. Faites correspondre les objets au niveau. Si vous réussissez, vous pourrez me ramener au palais Krasoa. Donc voilà, alors là... Par exemple, cet objet-là. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Où est-ce qu'on l'a trouvé? Je stresse. On l'a trouvé avec les Snowhorn. Et les Snowhorn, c'est pas ça. C'est où là? Ah voilà. C'est ça. Voilà. Victoire. Celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est... Ça me dit rien. Ah si, les dents. Les dents. C'est à droite. Puis on dirait à moitié un jeu télévisé. Gérard, non, c'est par là. Il n'y a plus qu'à mettre la musique de Benny Hill avec. Ça serait magnifique. Donc alors, où est-ce que c'est? Oui, voilà, enfin, le temple, il est par là. Vite, il nous reste 30 secondes. Comment est-ce possible? Je peux pas perdre maintenant. Ok. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas du tout là.
Qu'est-ce que je fais? Mais où est le truc avec les Cloud Runners là? C'est ça le Cloud Runner? Ça sert à rien. Ah mais c'est Cloud Runner, purée, fallait le savoir. Je suis foutu. Ok. C'est pas possible. Voilà une épreuve qui échoue. Bon, au bout d'un moment quand même on réussit, mais bon. Ça saoule un peu de recommencer les phases de fire. Beaucoup de flammes, beaucoup de jets de flammes. Ah, ils aiment bien ces pièges là. C'est comme dans Super Meat Boy où t'as tout le temps des scies circulaires. Voilà. Bon, encore les scies circulaires, ça commence à saouler parce que tous les jeux prennent ça. Les jets de flammes, ça a plus de classe. Allez, on sprint. Maléfique. Et là, bah, je vais pas faire la même erreur qu'avant. Je vais tirer la boule de feu après. Enfin, après avoir éteint les deux flammes, ce sera déjà un peu plus intéressant. Ah, parce que la porte se... Ok. Parce que la porte se referme rapidement. Et que je tombe rapidement aussi. Ouais, je suis tombé comme une bouse. Putain, ces flammes là elles sont vraiment résistantes quoi. Et c'était une paix directe. Hein. C'est comme les super bougies là pour l'anniversaire. Une bougie d'anniversaire ultime. Bon, on y va tranquille. On va se faire toucher comme d'hab. On est un peu obligé. Hein. Même si c'est vraiment esquivable, mais bon. Quand on n'a pas envie de perdre du temps. D'accord, le Krasoa qui se fout de moi. Le logo A ne s'est pas... n'est pas apparu instantanément. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je sais. C'est au col de la Lune. Mais où est-ce que c'est? Le problème, c'est que, voilà, c'est assez grand. Col de la Lune! Après, alors, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Oula, c'est quoi ce truc? Oula, ça va être chaud. Ah, c'est peut-être ça. Ah, parce que ça fait antique. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi une pierre. Je sens que c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas ce que c'est, cette image. Ça, c'était là-dedans. Dans... pyramide. Là, on est, actuellement. Bien sûr. Continue, vite. Il y a Vincent Lagaffe qui est en train de dire vite là. Purée, non, c'est pas possible. Ah voilà. Non, en fait, comme en fond, je mettrais plutôt la musique de. Du juste prix, hein. Ça serait mieux. C'est ce genre d'épreuve qu'on a en fait. On court partout, mais où faut placer cet objet? Allez Gérard, plus que 20 secondes! Bon bah, épreuve réussie, toujours avec la musique épique, et il faut retourner au palais Krasoa. This is it, Tricky. It's time to say goodbye. I know you're right, Vox. It's just... Yeah, I know. I'm gonna miss you too. Without your help, this mission would have failed. So I've got something for you. Prince Tricky, Earthwalker, you are now an honorary member of the Star Fox team. Dad, did you hear that? Me, a member of Star Fox! Do I get my own spaceship? I'll come and visit you soon. Just don't make it too long, okay? C'est triste. Est-ce qu'on peut lui parler? Super! Je vais être un astronaute! D'accord, hein.
On va voir un dinosaure astronaute quand même. Ça va être épique. Donc voilà, hein, les fameux adieux. Hein. Je suis ému. Bon, ça se voit pas tellement. Mais bien sûr, Fox reviendra lui rendre une petite visite hein, dans quelques années. Dans Star Fox Assault sur GameCube encore, bien sûr. Il n'y a pas eu de Star Fox en fait sur Wii. Ça peut n'importe Nawak. Surtout que cette licence, franchement, c'est une très bonne licence. L'un des seuls jeux de shoot qui est intéressant. Enfin bref, on va revenir au Dinosaur Planet. Et déposer le crasoir. Pour pouvoir combattre dans l'archipel maudit, dans la tour de Zeus, de tout au camon ou de je sais pas quoi, un truc épique là. On va revoir notre pote Scales, le beau gosse de l'année. Ouais, je sais plus, je sais même pas ce que j'ai récupéré. Ah si, c'est boost du tir. Un petit upgrade. Bien sûr, il va y avoir une grande révélation dans ce Star Fox. C'était pour ça que dans cette partie, c'était pour ça que je vais mettre Revelation, la Resident Evil Revelation. Même si Resident Evil Revelation n'a pas du tout de révélation, c'est complètement de la bouse. Enfin, l'histoire est bouseuse, mais le jeu est bien. Qu'est-ce que ça se dit? L'histoire est bouseuse. C'est magnifique. C'est un nouveau mot, c'est un nouveau dialecte. C'est beau. D'ailleurs, je trouve ça dommage que je puisse pas vous faire un vidéo test là-dessus. Sur quelques jeux de 3DS, franchement, qui valent le coup d'œil. Mais bon, sur 3DS, voilà, c'est trop galère. Trop galère à capturer. Et voilà. Pendant que nous nous déposons tranquillement en direct devant notre belle dame, Cristal, eh bien, il se passe rien. Donc alors, si vous vous souvenez bien, eh ben, on était allé voir un emplacement de Krazoa qu'on pouvait pas encore déposer. Et c'était bien sûr quelque part par ici. Faut déjà que je frappe ça. Là où il y avait une espèce de cage, là, une grande prison. Ouais, c'était par là. Enfin, ça ressemble plus à une prison qu'autre chose. Mais finalement, je suis pas sûr. Mais en fait, je suis pas sûr. Non, en fait, non, il n'y avait pas d'emplacement ici. En fait, faut redescendre. Ah, mais si, il y en a un là. Ah, bah non. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ou alors, faut revenir là où on pouvait pas avant. Je m'en souviens, il y avait un endroit où on pouvait pas y aller avant. Là, je suis sûr qu'on peut y aller, comme par hasard. Le passage se dévoilera à nous. Parce que c'est de la magie vaudou, tout simplement. Et on peut pas tester la magie vaudou. Bah oui, voilà. C'était ici, je crois qu'on n'était pas allé. Ou on n'était pas allé. Donc là, ça va être tranquille. On va placer notre petit crasoa ici. Voilà, avec magnifique cutscene. Où Fox crie pour sortir le bébé. Sortir l'esprit crasoa. Ça sent vraiment la fin là, quand même. La planète qui va se la planète qui va se reconstruire, juste pour dire reconstruire en plus, hein, c'est assez incroyable. Elle va se reconstituer de tous ces morceaux, de tous ces polygones, surtout ça. Et pouvoir vivre, car elle va retrouver son cœur. Non, là j'ai un peu trop fumé quand même. Mais bon, j'ai vu ça dans Sonic. Les planètes ont un cœur. C'est complètement con, mais c'est comme ça.
pense qu'ils avaient fumé avant ce qu'ont fait Sonic X. Hein. Surtout quand tu vois le titre Sonic X. Non, enfin, c'est pas là. Voilà, petite parenthèse avec le shonen. Enfin, shonen, je sais pas trop si on peut appeler ça un shonen, mais bon, c'est un manga, quoi. Petit shonen. Avec 20 épisodes. Et c'en est fini. Non, il est bon. Une quarantaine, quoi. Ah, c'est un peu minime hein, quand tu compares ça à Naruto ou Dragon Ball Z. Ou même One Piece, c'est... One Piece, c'est record du monde. Donc alors, nous retrouvons voilà cette magnifique prison. Je sais pas, j'appelle ça une prison, moi je sais pas trop ce que c'est, une espèce de dôme. Et c'est par là que nous allons combattre le General Scares. Voilà la porte qui s'ouvre doucement pour bien dire que là on est bientôt à la fin de la destinée, la fin de ce let's play. Mais quel est ce seul ennemi qu'on doit combattre? Est-ce juste un sbire de Skell seul? Ou est-ce que c'est... Je peux même pas monter. Super le suspense. Hein. Surtout quand tu vois une arène comme ça, tu te dis oula. On va recombattre un dinosaure. On va combattre le grand-père du T-Rex. Donc c'est parti. I've been waiting for you, Fox McCloud. You may have returned the spellstones, but the war is not over yet. Now you must face me. Mon Dieu! Stop! Scales! You are no longer any use to me! Who are you? I demand you show yourself! I am the one you brought to Krazoa Palace. The Earthwalkers could see me, but you could not. I don't understand. No, I didn't think you would. Your desire for power overwhelmed you and blinded you to the truth inside. Now give Fox what he's looking for. Give him the final Krazoa spirit. You will regret this. It was in him all this time. But that voice, I recognize it from somewhere. Yeah. Voilà, magnifique cutscene. Avec une voix très sombre. Ça fait un peu flipper. Mais voilà. C'était la grande révélation. C'était... En fait, que le combat ne commence même pas. Il n'y a pas de combat. General Scales, vaincu par une voix. Incroyable. Mais c'est pas tout, il y aura encore une révélation. Je vous le dis pas ce qui va se passer là. Où est-ce que je faut pose... Où est-ce que faut que je pose mon Krazoa? Bien sûr, je crois que c'est sur le côté. Bon, c'est pas ici. Peut-être là-bas. De l'autre côté. C'était juste en face, d'accord. Super. Alors, finalement, c'était pas le dernier Krazoa. Bon. Je me souvenais plus quand même qu'il lâchait un Krazoa. General Scale. Je me souvenais bien sûr qu'on ne combattait pas. Bien sûr. Et voilà, je pense que c'est là. Il y a peut-être un Krazoa encore caché quelque part, on sait jamais. What's going on? He said this would save her.
Wake up! Wake up! Je pense que la Gatling Fire est inutile dans ce combat ultime. Donc c'est à Fox McCloud de s'y prêter et de combattre cette chose, ce Krazoa ultime, le dieu des Krazoa, qui n'est en fait pas le dieu des Krazoa. To see you again, Fox McCloud. Andros. And now, to destroy the Lylab system! I've got to stop it! Bon, il vole de où? Bon, il est quand même plus flippant dans son côté Krazoa. Parce que l'autre côté, ça avait plus un Saint-Pangé, mais c'est pas grave. Ah, on détruit ses yeux. Pour tout vous dire, c'est the final battle. C'est le boss final. Voilà. Bien sûr, il est pas très compliqué. Il faut un peu connaître ses patterns, mais bon. Quoique. Super fail. Voilà, Titano. Titano de régénération. Ah oui, là je m'en souviens, il faut faire ça comme un gros taré. Pour pas se faire. Voilà, pour pas se faire avaler. Pour pas se faire bouffer. Le thème est vraiment pas mal aussi. Ça fait à moitié horreur. Curie. Mais épique aussi, comme d'hab. Ça fait combien de fois que je dis ce mot? Ah. Il faut recommencer. Mais bien sûr, il y aura quelques nouvelles attaques. Et la plupart de ces attaques sont upgradées. Voilà. L'habitude des boss, hein, j'ai envie de dire. C'est un boss que mon père n'avait jamais battu aussi. À quel point il a une skill de merde. Quoique, je dis ça, mais le boss n'est pas si facile que ça et j'ai déjà perdu un cœur. Bon, je pense que l'épreuve de la peur, c'est toujours le truc le plus dur. Je pense peut-être. Hein. Allez, on va détruire sa main, qui est assez costaud. Et j'ai esquivé, je sais pas comment. Bien sûr, quand on tire sur ses mains, elle se recule, donc il peut pas nous toucher après, s'il fait son attaque. Ses mains sont trop loin de l'air wing. Et là, la technique que je fais, là, d'aller complètement à gauche, là, en faisant des tonneaux, et bah, c'est juste parce que je m'en souviens, je faisais ça pour m'échapper de son attaque. Je sais pas si c'est la seule technique, bien sûr. Bon, là, par exemple, je veux pas du tout m'échapper. Mais regardez, une apparition soudaine. Qui est-ce? Mais c'est Falco. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais il était en grève ou il était en train de passer ses vacances là à la plage. Il était au sport d'hiver, mais qu'est-ce qu'il faisait ce Falco quand même? Donc voilà, le retour de Falco qu'on voit qu'à la fin du jeu, c'est magnifique. Là, faut que je prenne la bombe, vous allez savoir pourquoi. Faut l'abattre d'une autre façon.
Là, il va nous aspirer, en fait, à partir de maintenant, quand il nous aspire. Il est, comment dire... On peut pas esquiver, voilà. Il aspire plus puissamment, j'ai envie de dire. Plus profondément. Donc on est obligé de se faire voir, sauf bien sûr, on peut contrer ça avec une bombe. Une bombe dans la bouche. Bon, bien sûr, je vois pas trop l'intérêt hein, qu'il essaie de nous avaler, parce qu'il n'y a pas d'estomac. Attention ! Voilà, faut tirer sur son cerveau. Je sais, ça peut paraître un peu dégueu, hein. Le cerveau qui clignote. Ça peut paraître un peu chelou hein, pour un Star Fox. Ils ont carrément modélisé un cerveau en 3D quoi. J'ai cru que le seul jeu qui pouvait modéliser le cerveau en 3D, c'était Half-Life. Les esquives. Bon, pour l'instant je me démerde bien. Même tranquillou ça, parce que voilà. Mais voilà, c'est vraiment pas un boss difficile quoi. Comment dire, le T-Rex il était plus chiant quoi. Car en fait c'est carrément une planète. Hein. C'est Andross, c'est une planète. Il explose. Cette musique de fou encore. Ça fait très Star Wars. Oui, c'est le thème quand notre pote Pépi il a fait une recherche sur Wikipédia, si vous vous souvenez bien. Voilà, la planète est reconstituée. Je pense que c'est la fin. Bon, je vous laisse la cutscene. You all did a great job. General Pepper here. Good work, Star Fox team. I received a message from the King and Queen Earthwalker, thanking you for saving their world. Oh, and Tricky says hi. I was, however, very surprised to hear that Andross was still alive. Not as much as we were. It seems that Andross discovered the ancient power of the Krazoa, and by trapping Crystal, who had the ability to channel this power, he was able to use this energy to revive himself. At least this time we'll see the last of him. I'm transferring your fee as we speak. Pepper out. Woo-hoo-hoo! Yeah! We can finally repair the ship! And I really need some oil. These joints are not what they used to be. And I can't wait to get back with the Star Fox team. Hey guys, you don't mind if I hang with you again, do ya? Sure, Falco. It's great to have you back. The Star Fox team is back together again! Oh, Fox! I almost forgot! I received this message from Crystal. Hi, Fox. I really appreciate what you did for me. I'm just so sorry we didn't get much of a chance to talk. I'm left with just one more thing to do.
And that's to say thank you. Well, okay. I mean, sure, no problem. You're not shy, are you, Fox? My sensors indicate Fox's temperature is rising. Are you okay, Fox? I'm gonna be just fine. Remerciements, voilà, c'est magnifique. Magnifique fin, magnifique the end, ending plutôt. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se quitte. C'est triste, et oui, le let's play est déjà terminé. Le let's play de Star Fox est déjà fini. Nous voyons le magnifique générique avec le thème que vous avez déjà entendu dans la première partie quand je vous ai mis juste la cinématique d'introduction. Quand on voyait sur le petit ordinateur de bord de... Donc, le petit ordi portable, je sais pas trop ce que c'est, mais de Fox. Donc voilà, c'est... Voilà, Star Fox Adventures. Grâce à ce let's play, vous avez plus besoin d'acheter le jeu. Même si franchement, il vaut le coup d'œil, il vaut... Tous ceux qui ont la GameCube, de toute façon, ils sont obligés de l'avoir. Un jeu de psychopathe, un jeu d'aventure, où on passe une grande aventure épique, comme vous avez pu le voir. Et c'est vraiment... Et là, en commentant, c'est vraiment pas la même chose, quoi. J'ai pu le refaire en commentant, c'est vraiment pas la même chose. Voilà, tout simplement, c'est Star Fox, c'est de la bombe. Et on se retrouve pour un vidéo test sur Star Fox Assault. Parce que bien sûr, je ferai pas un let's play sur Star Fox Assault, je pense pas. Juste un petit vidéo test. Qui est Star Fox Assault, c'est aussi un excellent jeu. Qui est quand même moins bon que celui-là. Mais il reste très très bon. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et purée, mais écoutez-moi ce thème!